Bonjour Liliana Gallo, auteure de plusieurs ouvrages et des formations en ligne dans le domaine de la paye. Aujourd'hui, je vous présente mon dernier livre, La paye en auto-apprentissage, niveau débutant. Ce livre a été conçu en se basant sur mes connaissances et mes expériences, mais également sur le retour de plusieurs bêta lecteurs, des formateurs en paye, des novices et des expérimentés, des professionnels expérimentés dans le domaine de la paye. Le programme passe par des notions clés telles que le salaire, le temps de travail, les cotisations, les absences, les indemnités, jusqu'au solde de tout compte simple, notamment les cas de CDD et de démission. Maintenant, je vous propose de feuilleter ensemble ce livre. Pour débuter, donc, vous avez ce type d'exercice, par exemple, où je vais vous demander d'analyser la matrice officielle du bulletin de paye. Pour toutes les notions de paye, donc vous avez ce type de capsule théorique qui va vous donner des explications un peu plus détaillées au sujet du sens de cette notion, de la manière dont on calcule éventuellement s'il y a des calculs. Vous allez trouver de nombreux conseils et également de la lecture recommandée sur ces parties-là. Vous pouvez également avoir ce type d'exercice pour réaliser le décompte des heures supplémentaires. Donc là, vous avez le décompte des heures par jour. Et puis dans l'exercice, on vous demande de remplir le nombre d'heures à payer qui sont du coup au-delà de la durée légale. Ce qui est intéressant dans la méthodologie que je vous propose, c'est déjà le fait d'alterner entre capsule théorique, exercice, étude de cas pour au final vous mettre en situation de production. Donc le deuxième point qui est intéressant, c'est que je fais systématiquement le parallèle avec la DSN, c'est-à-dire que chaque point qui est vu en paye vous est également expliqué en DSN, ce qui est quand même assez bien. Souvent dans les formations de paye, on a tendance à attendre la fin de la formation pour commencer à initier aux charges sociales. Donc ce livre, en fait, il vous permet dès le début, dès les premières notions en paye, d'avoir du coup cette vision sur la suite du bulletin de paye, c'est-à-dire voilà, on déclare des charges, on déclare énormément d'informations administratives. Ça vous permet d'avoir déjà dès le début, même si vous ne voyez pas forcément les charges dans ce livre, ça vous permet quand même dès le début de vous rendre compte de l'importance de tout ce qu'on fait en paye et de l'impact derrière en DSN. J'espère que cette présentation vous a plu et vous a surtout permis de vous rendre compte le plus possible de ce que ce livre peut vous apporter. Sur mon site internet, je vais vous laisser un extrait un peu plus important du livre par rapport à celui qui est sur le site Amazon. Donc c'est le site où mon livre est commercialisé. Pour suivre toute l'actualité autour des projets sur lesquels je travaille et des nouveaux manuels d'apprentissage, donc je vous invite du coup à vous abonner à mes comptes professionnels sur les réseaux sociaux. Donc je suis sur Facebook, Instagram, LinkedIn principalement. Également, vous avez évidemment mon site internet sur lequel donc, vous pouvez également suivre l'actualité de ce que je fais et ce que je propose. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.